Coucou. Bonjour l'esprit. Bonjour tout le monde. Bon, c'est une petite vidéo. En fait, je vais vous dire ce que j'ai fait. Vous savez, le Björn de Taycan. Bah, il paraît que il y en a beaucoup qui disent qu'il est cinglé, etc. Mais attendez, on est sur des chaînes de voyance. Qu'est-ce que pardon. Il y en a qui vous racontent qu'on peut voir les vies antérieures, que mais je vais vous passer tous les trucs complètement ravagés qu'on peut entendre. Mais par contre, Taycan, il n'a pas le droit de ressentir un esprit, en fait. Un esprit amoureux. Alors que d'autres vont nous proposer un tas de trucs farfelus, complètement farfelus. Mais lui, il n'a pas le droit. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, dans la mesure où on est sur des chaînes de voyance, c'est pas des chaînes de spiritualité. Hein. La spiritualité, on ne va pas la trouver sur YouTube. Hein. On ne va pas se mentir. D'accord. On va trouver de la soupe. Voilà. De la soupe de spiritualité. Mais on ne va pas trouver la spiritualité sur YouTube. Pourquoi pas sur les mots croisés. D'accord. Donc, non, ça va pas, quoi. Je veux dire, ça me fait de la peine, en fait. Vous voyez. Ça me fait de la peine pour Taycan, parce que bon... D'accord, il a une histoire d'amour, c'est ce qu'il dit lui, avec quelqu'un, un viking décédé il y a 900 ans. Bon, et alors? Et alors? Est-ce que c'est plus dingo que de croire aux réincarnations, aux vies antérieures, je sais pas quoi, moi, aux rituels variés hein, qu'on peut vous proposer, parce que moi on me les propose pas puisque je les écoute pas hein, tout simplement hein, ça va pas plus loin que ça. Je sais pas, c'est quoi la différence entre Wendy, Phil Voyance, Maddy, je vous cite les amis hein, Massimo, c'est quoi la différence entre nous tous qui tirons les cartes et Taycan qui entretient une relation d'amour avec un viking décédé, c'est quoi la différence? C'est pas dingo, vous croyez, de tirer les cartes? Mais c'est complètement dingo. Quelle vérité peut sortir de bout de carton? D'accord. Ben, ce matin, je suis allée écouter Maddy Jasper que j'aime beaucoup. Je suis allée écouter Phil Voyance que j'aime beaucoup. C'est le dimanche que j'ai le temps, donc j'ai fait ça au réveil. Je suis allée écouter Taycan. Je suis allée écouter Massimo. Mais franchement, c'est pas loufoque. Complètement loufoque d'aller écouter des tirages de cartes. Bah si. Quelle vérité dans deux bouts de carton tirés au hasard. Non mais oh. Donc non, Taycan n'est pas plus dingo, fou, allumé que moi. Bah vous allez me dire, Wendy, t'es pas un exemple. Là, je suis d'accord avec vous, hein, je suis pas un exemple. Peut-être de bonne santé mentale. Mais bon. J'ai demandé à Björn, en fait, là j'ai tiré les cartes, je ne les ai pas retournées. D'accord? J'ai demandé à Björn, Björn, tire les cartes. Je vous jure que c'est vrai. La vérité, en fait. Ah oh, bah non. La vérité, c'est que. Oh, alors celle-là.
Là, il y en a deux qui sont sorties, parce que je les ai prises en même temps, hein, je les ai laissées. Et celle-là, elle avait envie de rester sur la table, alors je l'ai laissée. Voilà. Et à chaque fois, j'ai dit à Bjorn, tire-moi trois cartes, on va voir ensemble. Et je m'en fous, hein, de ce qui sort. Vous savez, moi, je suis honnête dans mes tirages. Hein, voilà, je suis pas monétisé, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Hein. Je tire les cartes, des bouts de carton, matériellement. Et pour dire la vérité, Taycan m'a téléphoné un jour. Vous savez que moi, je parle pas au téléphone. Hein. Voilà, je suis une sauvage, complètement sauvage. Je m'occupe de mes affaires. Bah, j'ai affaires. Ce matin, je me suis occupée de peinture. Voilà, puisque vous savez tout. Après, comme c'est le dimanche matin, bah, je vais voir les collègues et que j'aime bien, bien évidemment, et que j'aime bien pour eux-mêmes. Voyez? Que je trouve gentil, que je trouve sympa, que je trouve intéressant, voilà. Il y a quelque chose chez eux qui me plaît. En dehors des tirages de cartes. Et puis ensuite, je me suis occupée, parce que ma cuisine va être peinte, hein, donc je me suis occupée de mes devis, hein, voilà. Comme ça, c'est clair, je vous raconte ma vie. Pourquoi tu fais ça le dimanche matin? Pour me préparer pour la semaine, avec mes entrepreneurs qui vont venir faire des devis. Donc voilà. Et pour vous dire la vérité, donc je reprends, je retombe sur mes pattes, je n'appelle personne, et vraiment personne ne m'appelle, voilà, et Taycan m'appelle, il fait partie des rares personnes avec qui j'ai parlé au téléphone, des rares collègues, voilà, qui tirent les cartes ou qui tiraient les cartes avant. Et, je n'entretiens vraiment pas de relation téléphonique avec personne. Ni à... Vous voyez, je suis sauvage, moi, très sauvage. Par choix, et puis parce que je connais les êtres humains. Hein, donc... Et donc, Taycan m'appelle et il me dit, c'est comme un récit de nuit, sauf que c'est de jour. Hein. Et Taycan commence à me parler de Bjorn. Alors, bon, évidemment... Quelle est ma première réaction? Bah, c'est de dire, mon Dieu, mais où on va là, comme ça? Mais où va-t-on? Est-ce qu'on va à l'HP direct? Est-ce qu'on prend des antidélirants? Ou est-ce qu'on écoute? Bon, bah, j'ai choisi d'écouter, voilà, c'est tout. Et pour vous dire la vérité, est-ce qu'il faut que je la dise, la vérité? Sinon, j'ai aucun intérêt à avoir une chaîne YouTube si c'est pour raconter des cracks. Bjorn est venu me voir. Voilà, donc vous savez tout. Pendant que Taycan me parlait, Bjorn est venu, je l'ai senti. Alors, vous allez me dire, Wendy, t'es aussi folle que Taycan. Ben, moi, je peux pas vous dire autre chose, je vais pas vous dire un mensonge. Et je l'ai dit à Taycan. Voilà. Et il est venu 3 fois. Deux fois pendant des conversations téléphoniques à Taycan, et une fois quand j'étais toute seule, je me demandais pourquoi, et ensuite j'ai compris pourquoi. Voilà. Alors je peux pas vous en dire plus, c'est pas ma vie, c'est pas l'homme de ma vie, c'est voilà, mais je peux vous dire que c'est un esprit très fort. Donc, comme c'est un esprit très fort, Bjorn, alors est-ce que c'est l'esprit de Taycan qui traverse, parce que ça, oui, ça existe. Qui traverse la France dans l'espace hein, et qui vient me voir à moi et me faire partager ses émotions à lui. Donc, est-ce que c'est l'esprit de Taycan ou est-ce que c'est l'esprit de Bjorn? Moi, j'aurais tendance à dire que, d'après ce que j'ai ressenti, que c'est l'esprit de Bjorn. Maintenant, c'est possible que ça soit l'esprit de Taycan. Écoutez, toujours est-il que comme je l'ai vécu, cette rencontre, okay, je l'ai vécu, je l'ai senti. Je l'ai senti dans mon corps. Donc j'ai demandé à Bjorn, voilà, de tirer 3 cartes. Donc je vais la retourner avec vous. C'est à l'arrache, hein, cette vidéo. Donner de la joie. Alors si c'est Bjorn, et j'ai demandé à Bjorn, hein, j'ai pas demandé à Taycan de tirer, je veux dire, de loin, hein, parce que j'ai pas parlé à Taycan
depuis je sais pas combien de temps, hein, donc j'ai rien demandé à Taïkan. Donner de la joie. Et ça ressemble à Björn, non? C'est exactement ce qu'on ressent quand Björn arrive. C'est de la joie et c'est beaucoup d'amour. Je tiens à vous le dire, hein. Ah, c'est mon sentiment. Vous voyez bien que je suis pété. Ok? De la colère. Alors pourquoi la colère? La colère d'être seul, d'être abandonné. Peut-être la colère de ne pas être reconnu par les gens. Voilà. Mais moi, j'ai de la colère par rapport à de la solitude. C'est une pelle abandonnée, hein. Une colère d'avoir été laissé. Et là, j'ai quoi? Père, l'argent, bah, je comprends pas, hein, là. Donner de la joie, de la colère, peut-être par rapport à son père, de l'argent de son père. Ah, d'accord. Il y a un père qui visiblement est riche, alors je ne sais pas, et qui mène, hein. Je veux dire, il y a celui qui mène, et c'est aussi le berger, c'est l'image du père, hein. Voilà, c'est un berger. Alors pourquoi cette colère? Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce que j'avais? La maladie. Je la mets là. Puisqu'elle voulait rester. Hein. Et là, trois cartes de Björn. L'éloignement. La difficulté. Ben oui. Hein. La difficulté vue à l'éloignement et la séparation. Et si je mets mes trois cartes là. La difficulté, l'éloignement et la séparation. Ensemble, ça me fait dire que c'est vraiment ce qu'il vit avec Taycan ou ce que Taycan vit avec lui, c'est-à-dire l'absence, bah, l'éloignement. Ça, pour un éloignement, c'en est un, hein, d'accord? Parce qu'il y en a un qui est mort et pas l'autre, donc c'est vraiment. Et la difficulté qu'il ressent par rapport à la séparation, c'est beau, franchement. C'est beau. Bon, par contre, donc là, ça me parle en fait, de son chagrin d'amour, en fait, hein, ici. C'est Björn, hein, j'ai demandé à Björn de tirer les cartes. Hein. Bon, celle-là, elle est positive. J'ai pas du tout. Quelle colère? Pourquoi de la colère? Et là, j'ai un bureau, la solitude. Ouais, c'est vraiment, ça me parle de la solitude, encore une fois. Hein. Regardez. Le travail seul. C'est quoi cette histoire de père? Oh, je ressors la maladie. Taycan, si tu regardes cette vidéo, j'ai la maladie deux fois. J'ai l'hôpital, la consultation et la maladie deux fois. C'est pas bon, hein. Je vais m'arrêter là. Je vais demander à Taycan. Bah, Taycan, si tu passes par là, puisque c'est les messages de Björn, c'est vraiment la solitude, de la maladie et par rapport au père. D'accord? Et là, c'est vraiment donner de la joie. Là, c'est comme s'il avait un message à faire passer. On va en rester là, hein. Voilà, Taycan. Et là, c'est vraiment, vraiment.
Bah, Bjorn, il est quand même en souffrance par rapport à cette séparation. C'est les cartes de Bjorn, hein. C'est pas les cartes de Taycan. Voilà. Il y a quand même de la solitude, hein. Il y a beaucoup de solitude. Il y a de la maladie aussi, mais là, il faut demander à Taycan, il n'y a que Taycan qui peut répondre. Hein. Je ne vais pas plus loin. Moi, je vous dis simplement, non, Taycan, il n'est pas plus fou que les autres, hein, que nous tous, en train de tirer les cartes. D'accord? Voilà le message de Bjorn. Bon, un gros silence, Wendy, tout à coup. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous, mes amis. Peut-être qu'il parlait de son père, hein, je ne sais pas. Voilà. Gros bisous, mes amis. Au revoir. Au revoir. Et au revoir, Bjorn.